Puissance reçue par un conducteur ohmique. Nous plaçons donc ce conducteur ohmique en convention récepteur. La puissance est donc reçue par le conducteur ohmique. Elle est égale au produit de la tension aux bornes du conducteur ohmique fois le courant I qui le traverse. Or, la tension, d'après la loi d'Ohm, vaut R fois I, donc la puissance P, reçue par le conducteur ohmique, vaut R carré. Puissance donc bien positive. On peut écrire également la puissance sous cette forme-là, uniquement en fonction de U et R, en remplaçant I par U sur R. La puissance P vaut alors U carré sur R. Attention aux unités légales, P en watts, I en ampères, U en volts et R en ohms.